Bonjour, ici Gino Lemoine. Juste un petit tutoriel pour les gens qui veulent commander des produits jeunesse. Normalement, vous avez été contacté par quelqu'un, si vous êtes rendu là, ou si vous fouillez par vous-même, ben, c'est important de trouver un sponsor qu'on appelle, qui est un distributeur. Puis normalement, il va vous fournir un lien pour aller dans sa boutique en ligne. Le lien finit toujours par .jeunesseglobal.com. Fait que si le début, ça va être normalement le nom de la personne ou un pseudo d'entreprise comme tel. En tout cas, le lien vous est fourni. Fait que demandez comme il faut à la personne qui vous a invité sur son site. Puis c'est important de marquer ça dans la barre d'adresse en haut et non pas dans Google ici avec le nom de la personne et tout ça, ça fonctionnera pas. Fait que vraiment l'écrire dans le haut ici. On fait Enter. Ensuite, on peut vérifier le nom ici de la personne. Bon, dans mon cas, c'est Gino Lemoine avec mes coordonnées ici. Bon, pour commander, premièrement, on choisit le pays. Au Québec, là, ici, il faut commander aux États-Unis. Si vous provenez de la France, bien, vous allez choisir votre pays, il n'y a pas de problème. Ça va être en euros et tout ça. Mais pour le Canada, il faut aller sur États-Unis, United States. Une fois rendu là, on va choisir le produit. Pour l'instant, le site est en anglais, mais j'imagine qu'à un moment donné, au Québec, on pourrait choisir Canada français. Mais pour l'instant, c'est ça. Mais les produits sont quand même assez faciles à reconnaître. Il y a le sérum ici. Il y a l'Instantly Ageless là, qui sont comme les plus gros vendeurs. Il y a souvent la réserve aussi qui. En tout cas, les noms sont quand même faciles à retrouver. Fait que, mettons, on va faire l'exemple avec Instantly Ageless. On voit qu'il est à 74,95, qui est le prix de détail d'un client. On rajoute ça au panier. On peut continuer à mettre des produits dans notre panier, mais si on veut juste ça, ici, on fait checkout. Puis ici, je vous conseille de prendre cette option-là, ici, qui est New Customer. Fait que votre compte va être créé dans Jeunesse, puis ça va être plus facile la prochaine fois. Ça va être plus rapide de commander une prochaine fois. Puis quand vous revenez, bien, vous avez juste votre email et votre mot de passe à inscrire, puis vous cliquez sur Submit. Fait que vous allez pouvoir commander à nouveau facilement en remplissant deux champs. Fait que ici, on va commencer comme si c'était un nouveau client. Ici, c'est là qu'on peut retomber en langue française. Fait que vous inscrivez French. Prénom ici. Vous pouvez choisir un mot de passe. Vu ici, j'ai changé le pays. On sélectionne la province. Code postal. Téléphone, pas de trait d'union. On fait submit. Dans le fond, il demande si le shipping, si la facturation et le shipping, c'est la même chose. On peut répondre oui ici, si c'est le cas. Sinon, on modifie ici. On continue le checkout. Il faut simplement remplir les informations pour la carte de crédit, date d'expiration et carte de sécurité, puis l'option de livraison. Dans notre cas, moi, je prends un Canada Post ici à 14,75. Puis je continue mon checkout. Ça en prend environ, là, c'est en dedans de 10 jours ouvrables normalement. Moi, normalement, à la date, ça me prend 6 jours à recevoir ma commande environ, en moyenne.
Donc on peut continuer de check-out ici, puis il va peut-être avoir une autre option qui va vous apparaître si vous voulez avoir la signature à la livraison pour assurer un petit peu votre colis. Fait que vous pouvez, c'est un 2 $ supplémentaire. Je rappelle que c'est payé en dollars US. Il y a la conversion qui s'applique, il n'y a pas de taxes qui s'appliquent, fait que ça c'est avantageux. Puis vous allez recevoir votre commande par la suite. Fait que juste à continuer le processus ici en appuyant sur Continue Checkout. Puis tout va se faire, vous allez tout recevoir. Je vous remercie. Au revoir.